Bonjour à toutes et à tous. C'est un temps lourd qui va nous concerner ces prochains jours avec une tendance orageuse jusqu'à samedi. À compter de dimanche, retour à un ciel partagé entre soleil et nuages et des températures plus respirables. En attendant, on s'intéresse à notre vendredi 3 juin. Le ciel est nuageux en matinée, mais de belles éclaircies se maintiennent également. Le thermomètre est doux dès le réveil avec une moyenne de 15 degrés à Noirmoutier, 16 à 17 degrés partout ailleurs et on pourra atteindre les 18 degrés du côté de la Tranche-sur-Mer. Dans l'après-midi, la lourdeur se fait sentir avec de belles éclaircies. Attention tout de même aux cellules orageuses qui ne sont pas exclues. C'est toujours difficile de définir où elles peuvent éclater. Soyez vigilants. Le mercure grimpe, 20 à 22 degrés pour le bord de mer, 26 à La Roche-sur-Yon et 27 à 28 degrés partout ailleurs dans les terres. On passe à la suite du programme et notamment celui du week-end. Samedi, temps généralement ensoleillé le matin, suivi de l'arrivée d'un voile de nuages dans le courant de l'après-midi. Avec toujours une masse d'air lourde, comptez 15 degrés au réveil et 29 au plus chaud. Dimanche, le ciel se partage soleil et nuages. Le mercure baisse, on attend 15 degrés le matin et 22 degrés au meilleur de la journée. Et puis lundi, le temps s'annonce ensoleillé sur le département. Dans l'après-midi, ça se voile à nouveau. Le mercure est compris entre 12 et 22 degrés de moyenne. On revient au vendredi 3 juin, nous fêterons les Kevin. Le soleil nous accompagne de 6h14 à 21h53. Concernant l'état de la mer, elle est peu agitée, coefficient 64 et 61. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Passez une excellente journée.